Eux, ça va, on recommence. Salut tout le monde, bienvenue à Toron Swap. Hello! Là, on a refait la 6 niveaux de mal en dessous de l'eau. Ouais. On vous a parlé un bon bout parce que Jacob il a déjà fait toute la petite boutelette. Ouais, il a fait la petite bout avec le zigzag de bullshit, là, pis qui a son propre t-shirt en passant. Je veux quand même le dire, je trouve ça bien drôle. Si tu vas sur Turtle Put. Ah shit! Okay. Ah shit! Là, faut que je me tue. Ah ouais, tue-moi, Chris. Tabarnak. Encore que tu te tues. Ben, c'est parce que quand j'ai fait top off-screen, j'ai fait tout le level, sauf la dernière bombe, là, justement, pour avoir de l'ICO. Ben, j'ai oublié de faire genre la première bombe du level. Ok, ben, faut le temps refaire. Fait que j'étais obligé de. Chris, il me restait 5 secondes, je peux pas backtracker. Non, t'avais pas le temps, là. Faut pas que j'ai une boucle de bullshit dans ma. Ouais, fait que là, faut juste que. Excusez pour la souris, by the way. Ouais, c'est ça. Fait que là. Parce que nous autres, on joue sur NES. Ah, eux autres. On l'a acheté sur Pirate Bay. Ah, mais pour vrai, Jeremy là, il nous a proposé de jouer, mais ce jeu est bien trop dur, tabarnak. J'ai pas le goût de jouer avec une manette de NES. OK! Douchebag! Ben, il est bien cool. C'est Raphaël en mode douchebag, pour une fois que Raphaël, il soque pas. Hey, by the way, là, pendant que je faisais le playthrough du début, là, ouais. Pourquoi faut que je choisisse mon bonhomme? Bien joué, le barrage est sauvé, rentrons. OK, rentre, okay. C'est cool. Bon, on regarde. C'est moi! On va regarder okay. Ça. Hey, cette animation-là, mais j'ai... Oh, man! C'est quel bout ça? C'est quel bout ça dans l'émission ou dans le film ou dans je sais pas trop quoi? Ben c'est le bout où le Shredder, il sort son doigt de l'écran. Hey toi, écoute-moi quand je te parle. Écoute-moi, là il te donne des petites claques d'en face. Ben mon esti. On a kidnappé Splinter pour le revoir. Ben garde ton esti de roulette, hein, je le veux même plus, il m'a déjà monté comment me battre, j'ai plus besoin de l'avoir. Et son écart de tortue, on va te casser la gueule, ce fucker. Dans le fond, Shredder, c'est quoi le but de Shredder? Pas Shredder, si j'ai dit ça. Ben, c'est ça son nom, hein? C'est Shredder. Hey, et ben, grosse hostie de level là. Man! Ok, il faut sauver Splinter, le Sidra de Togri. Hey, j'ai plus de batterie. Attends, mais prends la vanette! Prends la fucking vanette! Ça va me faire plaisir dans un instant. Faut que tu changes les batteries de sa manette de NES. Ouais. Moi, je prends un nice de même. Imagine, t'arrives pour pas embarquer dans la vanette, t'as un fucking flat, faut que tu débarques, tu peux plus la prendre. Comme le style. T'arrives à embarquer dans le style van de cul. Je tiens à préciser que Jacob, il y a deux véhicules, ok? Ça fait 6 mois qu'un esti, bon, peut-être pas 6 mois, mais toi, depuis que Jacob y a aménagé, il y a un esti de. Il y a un esti crise de vieux char bazoulette avec 4 flats en avant de mon bloc. À un moment donné, je me suis dit que je pourrais péter. Non, il y a deux flats. Ouais, à un moment donné, je me suis dit que je pourrais péter les deux autres tailleurs, ça serait drôle. Je rentre chez Jacob, je viens d'en péter les deux autres tailleurs de la petite bazooka qu'il y en avant. Jacob me dit, c'est mon genre. Voici une photo de ce char-là. J'ai juste une photo avec le vase dedans, fait que je salue le vase. Parce que ça va être celui-là que je vais mettre. Ben non, mais dans une nouvelle avec toutes les flats. Plus, okay. Il va déjà avoir des étiquettes parce que bienvenue à Rwanda, on peut plus se parquer dans la rue à partir du 1er novembre. Ouais, t'as raison. Si tu cours chauffer une vanette. C'est de la style de marche, je peux même pas débarquer, je peux même pas rentrer dans les buildings. Ben là, tu vas rentrer dans un building qui a un garage. Attends, ok, faut que je fasse select. Select. Tu sais, faut que j'aille avec cette style de chier. J'ai pas, tu peux peut-être tirer des missiles, toi, pour essayer de. Ok, ouais. Fuck you! C'est des spikes indestructibles. C'est cool. Ben, ils sont pas indestructibles, juste que mes balles passent à travers. Ouais. Ils sont trop bas, genre. Ouais, genre. Parce que ta manette est tellement cool que les gars ne peuvent pas se bouger, genre. Pourquoi j'ai. Si t'as un ennemi, il va juste se pencher en avant de toi, puis il va s'arranger pour que tu puisses avancer, puis il va survivre. C'est nice. C'est même ça, bon les tortues ninja. Hey, man, t'as des estimes de missiles, hein, je veux pas trop souffrir ça. By the way, que je voulais. Ben là, fuck you, ok, je peux pas aller là. Ce que je disais tantôt, c'est que Raphaël, il fait ce calissement plus fort que les autres tortues. Pas vrai? Genre, tu one-shot la plupart des mobs avec lui. Ok, genre, il est crissement plus powerful, mais il y a aucune reach. Ouais, c'est ça, il est comme. Je sais pas quoi faire ici, là. What the fuck, even? Ben, t'es capable de monter dans l'échelle pis sauter à travers le petit cube que tu non, peux passer? Ben, peut-être. Non, oublie ça. Ouais. C'est vrai, je peux même pas de sauter. Je peux juste genre failer en bas de la patente. Mais on va une autre place où tu peux aller. Okay. On va explorer. Fast forward, juste. Ben, en fait, c'est le red set. Je te disais fast forward, mais c'est là. Mais qu'est-ce que t'as mis de là? C'est là. C'est pas là, partout, t'as mis de là. Hey, c'est là.
Là tu vas fast forward, pis là tu vas dire c'est là, pis ça va être dead là qu'il faut que t'ailles, parce que tabarnak, qu'est-ce que ça va tomber bien vite cette affaire. Il y a des yeux avec des algues, c'est cool. Tabarnak, c'est bien brutal cette petite place là. Ben oui, là. Tu pourrais utiliser cette technique là aussi. Ah, donc j'utilise la technique bullshit. Ce jeu là c'est de la bullshit, fait que t'as pas le choix d'utiliser les techniques ouais, de bullshit. Ouais, mais tu vas passer par le bord pour tout avoir respawn. Ben je le sais, mais je... Tu le missile avec des ailes, gauche. Je sais, mais ça... Hey, fuck you, toi! Là, il y a des... J'aime ça, ça me satisfait de tuer des ennemis qui ont aucune chance. Hey, t'es-tu un nazi, toi, hein? Hey, tu feras pas des jokes de nazi sur mon show, sauf si c'est moi qui commence pis qui les fait avant. J'aime pas des petits. Ok! Salut, moi je m'appelle Jacob, j'invite mes amis dans mon show, je leur dis t'as toutes les libertés, mais c'est moi qui fais les bons gags. Ok, fais-en des gags de nazis, vas-y, amène-les. Ben pas de gags de nazis, hey, faut que tu m'introduises un élément pour que je fasse une joke de nazi. Ok, là. Ben juif. Juste juif, je dis juste juif. Fait que là t'as le choix, soit que tu dis genre Lonely Island, Ninja Sex Party ou génocide. Je vais dire Ninja Sex Party. C'est correct. Ils étaient pas là, eux autres tantôt, hein. C'est quoi, ils ont des acides d'armure, genre? Ils me pitchent des têtes, genre. Des têtes. Man, il y a une fucking mongolfière avec un missile, beaucoup ce que c'est. Pis eux autres, ils crachent du frais, ils vont crever, hein? Il y a des affaires qui font juste spawner pour aucune raison. Je sais pas c'est quoi les acides missiles en haut. Man, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, qu'est-ce qui se passe, ces ennemis-là, man? C'est quoi qu'on fait? Je sais pas ce qu'on fait, faut sauver Splinter, le Sidra dont on se calisse. Sacrement. Sidra, il y a juste un de Sidra de pixel gris, d'ailleurs. Ouais. Fais pause. Elle est chic, son nom. Laquelle? Ben, la fille là, je la bangerais, là. Je bangerais ça, moi, c'était. Hey, fuck you, hosti! Moi, t'as pas perdu de vie parce que t'es tombé de trop haut, pis c'était une tortue. Hey, tu fends dans la main dans un platformer, j'entends-tu que c'est le meilleur choix de design que tu peux mettre? Ben là, dans ce jeu-là, ça se pourrait, hein? Il y a de la bullshit parce que les ennemis, ils ont aucun sens, mais. Et au moins le jeu il est comme honnête avec toi. Quand il est honnête, il te le dit que t'as aucune chance. Ah, il fait la fuck you. Hey, j'ai. Vomis pas, hein. Ben, excusez, j'ai mangé du poulet tantôt, j'ai du pognon à gangrène, genre, whatever, le style maladie. La salmo poulet. C'est ça, la salmo poulet. Quand tu manges du poulet, faut qu'il soit mort, hein. Faut qu'il soit cuit aussi. Ben, c'est ça que je dis. Prends pas une bouchée d'une poule, genre. Faut pas dans un poulailler, croque pas dans une poule, on va peut-être te répondre en te mordant. Peut-être. Ça se pourrait, hein? Je suis pas sûr. J'ai quand même dans un poulailler. Ouais, mais t'es-tu déjà gardé ça? Ouais, mais des. Attends, le premièrement, là, des poules, ça a pas de dents. Fait que je pense pas que tu peux dire que ça a mort. Ben, ça te snap avec son bec. C'est pas fou, hein? Ça te snap. Moi, je fais face à ce petit saut-là. Mais saute. Ouais. Juste d'abord. Essaye. Attends, peut-être que toi, t'es plus swag. Yes. C'est cool. Une pizza complète, prends-lui, tu vas avoir toute une vie. Ouais! Ouais, c'est ça, je vais compter ce que j'ai dit. Ouais, vas-y. Il travaille dans un poulailler dont je nommerai pas la compagnie pour pas que le monde arrête d'acheter leurs œufs. Waouh, ça commence bien l'histoire. Ok, on m'appelle, je travaillais pour une compagnie qui fait travailler des jeunes. Je nommerai pas la ville que j'allais faire parce qu'on va savoir d'où ça vient. Puis, il a engagé des jeunes, puis dans le fond, notre job, il nous dit vous allez prendre des poulets. Vous allez visiter toutes les cages des poules parce que les poules sont rendues trop bien, on va prendre des nouvelles poules. Puis les ont fait quoi, hein? Ben, ils les amènent dans l'abattoir, genre. Ok. Fait que j'ai passé une journée complète dans un esti de poulailler à ouvrir les cages, à pogner des poules, les regarder avant qu'ils aillent mourir, genre. J'ai. En garde, on était genre 10, on a pogné 25 000 poules. 25 000 fucking poules! Pour toutes les kills, genre. Pour toutes les kills. On les mettait sur un rack. On les amenait un troc, le gars les crissait dans des cages puis les amenait à l'abattoir. C'est puis le gars nous a dit, en commençant la journée, il dit si vous mordent, c'est vos snaps, excuse-moi Jacob, ouais. Frappez-la après le mur, ben oui, je dois tuer une coupe en faisant ça. Sacrement! Puis il dit, portez des gants si vous voulez pas perdre vos doigts. Ouais, parce que ouais, j'ai entendu dire que ça snappait pas mal. Ça snap en crise, je vais te le dire moi. Mais moi je n'ai jamais handlé, mais... Ma belle famille, elle a une ferme, là, fait que je l'ai vu pas mal. Mais c'est bien. C'est fucking brutal pour vrai, le genre de la production en chaîne de shit animal, man. Hey, c'est de l'enfer, man. J'ai travaillé là-dedans, man. Des gestes de poulailler, ça sent le calice. T'arrives chez vous, là, tout ce que tu manges goûte le poulailler. Tu bois de l'eau, ça goûte le poulailler.
pendant genre 3 jours. Moi je voulais. Moi je parlais pas juste de les mains sales. Après, fuck you! Je parlais pas de les mains sales après avoir travaillé dans un poulailler. Moi je parlais que c'était sale, qu'est-ce qu'on faisait au pot. Ben c'est ça que je disais moi aussi en tant que tel. Là. Ok, tu disais, quand tu reviens de travailler au poulailler, tout ce que tu fais, ça goûte le poulet. Ouais. C'était ça, toi. C'était ça ta complainte, genre, ah, les poulets, on devrait tous les libérer. Ouais, quand même, chez eux, ils se goûtent le poulet. Ouais, c'est pas ouais. Ça que vous disiez, Chris Delay. C'est fucking ça. C'est pas ça que je te parle. Je viens de te dire que j'ai passé une esti chip de merde. Je veux pas nommer les esti de compagnie pour protéger leur semblant d'espoir de faire de l'argent. Ouais, mettons. Mais tu sais, moi, j'assume que leurs conditions des poules sont correctes. Si j'aurais passé ça, j'aurais nommé les esti de compagnie. Ok. C'est ça. Je pense pas que ton argument est valide, mais c'est pas grave, on va changer très subtilement de sujet. T'aimes ça toi les parapluies, Jacob? C'est ben le pire tabarnak d'objet de la planète. C'est un lieu tabarnak de parapluie, là. C'est genre le signe d'objet que t'es tout le temps mal à l'aise à faire. Ouais. T'as un parapluie, mais il mouille. Ok. Il mouille, t'as un parapluie, c'est correct, t'es content, t'es pas mouillé. Ouais. T'arrives à une place. Ton parapluie des mains il est tout trempé. Là tu peux pas le fermer parce qu'il va moisir. T'es obligé de le laisser ouvert en plein milieu de ton salon, genre sèche. Tout le monde regarde le parapluie. Tout le monde regarde le parapluie, tout le monde est mal à l'aise à cause que le parapluie il dégoûte, tu laisses manger de bois, frère. Pis sinon, situation inverse. Tu marches avec ton parapluie, il mouille pas, t'es genre d'un tabarnak de calme. Pis là, le meilleur bout c'est que genre t'as ton. T'arrives chez ton. Hey, tabarnak de ce level de cul de fuck de Chris que des esti. Fuck! T'arrives chez ton ami, pis là il pleuvait, pis là tu t'en vas pour t'en aller, il pleut plus, tu laisses ton hostie de parapluie là! Tu l'oublies, faut que t'es rendu avec 16 parapluies, éparpillés partout chez tout le monde, que tu te rappelles jamais son haut. La maman même tu te prends là, t'as dit ça, mais il y a ton parapluie, hey fuck you! Tu pars avec, pis ton ami se fait mouiller, pis c'est plus ton ami parce que t'as eu. Fin de l'histoire. The end. Hey. The end of the story, man. C'est une parapluie. C'est l'objet le plus malaisant de la planète. Y'a personne, tu peux pas être à transporter un parapluie puis être bien avec toi-même. Ça se fait juste pas. Hey, quand tu sors là, by the way, c'est parce que j'accote déjà le plafond, hein. Quand tu te promènes avec un parapluie, tu penses toujours au fuck! T'as toujours remarqué dans presque toutes les scènes dramatiques au cinéma, il mouille puis la personne a un parapluie. Ouais. Parce que le parapluie porte au suicide, même. C'est pour ça. Une estime mutinerie, genre. Fuck, c'est le level. Sors, sors tes skills, Jacob. Man, Jamie, on va pas encore passer 3 de cet épisode sans faire un esti de progrès. Je suis pas regardé à quelle heure qu'on a commencé l'épisode. Moi non plus. Y'a là, au pire, il durera 27 minutes 3 quarts. Ok, c'est bon. Ah ben là, ça doit faire comme 5 minutes, là, mettons. Ben, plus que ça, on roule la merde depuis 20 minutes. Plus que ça? Après, oui, ça va faire genre 10 minutes. Okay. Et nous, on s'en crisse. Ah, on s'en crisse. C'est pas grave. Vous allez le savoir. Vous autres, quand vous avez écouté combien de temps qu'il reste, on n'a pas besoin de vous le dire. Hein? Ouais, je sais bien. Je parlais pour nous autres. Je parlais pour nous autres parce qu'on est. Ben, à un moment donné, mais que tu crèves, comme dans 5 minutes, on va chialer et on va arrêter de jouer. Probablement. On va faire fuck this game. Fuck this game. Dans 2 mois, on continue. Ouais, by the way, c'est la. Ouais, on l'a dit un peu, là. Mais c'est comme la deuxième session d'enregistrement. La première session, on l'a tourné il y a 2 mois. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est le. Le 4. 4 novembre, pis que la première session, on a dû tourner genre le 7 septembre. Pour vrai? Ben, je pense que ça doit être dans ces alentours-là. Ça se peut. Hey man, je vais. Ça doit être dans ces alentours-là. Fait que, tu sais, dans les anciens épisodes, vous voyez qu'à un moment donné, que surtout dans le dernier, on parle moins pis tout. Mais c'est à cause de l'intensité dramatique. Ah! Donc, ça fait. Faut rappeler que ça fait comme 3 heures qu'on joue à ce petit jeu-là. Fait qu'on est fucking dedans, mais vous autres, vous en rendez pas compte à cause qu'il y a un épisode qui sort aux 2 semaines. Ouais, fait que vous avez comme l'intensité dramatique qui descend. C'est ça, Gabe. Fait qu'on a l'air d'une estigane de lettres qui parle pas. Ouais, effectivement. Mais finalement, on est juste des estigans de lettres qui parlent pas beaucoup, mais à cause de l'intensité dramatique. Ouais, parce qu'on est concentré en crise. Ça, c'est des affaires que. Tu sais, c'est cool, by the way, quand vous nous dites des commentaires sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore sur le show, parce que. Hey, fuck, ce tissu-là de marque! Parce que, genre, on veut. Idéalement, on veut s'améliorer vraiment, puis se faire de quoi de nice pour vous autres, là, tu sais. Parce qu'en tant que tel, c'est vous autres qui font vivre la chaîne. So gay! Hey, t'es-tu fif, toi? Hey, fuck you, hein? T'as pas le droit de dire mal de mon excitation, hein? Ben, certain, le droit. Je vais t'actionner, il m'a des droits d'auteur. Genre, ah, tabarnak, j'ai retombé tout en bas, man. Non mais...
Qu'est-ce que ça coûte? Ouais, ben c'est ça. On aimerait ça que quand vous écoutez un vidéo, que ce soit un commentaire négatif ou positif, vous le mettiez dans les commentaires justement. Ouais, ouais. Pour qu'on puisse s'améliorer, comme si vous dites, ben la voix lirait ta gosse, ben la prochaine fois on va faire un edit sur ma voix, puis on va faire chez Jacob. Ouais, ben, ça va être vraiment long à faire, mais c'est pas grave. Si elle vous gosse, on fera de quoi. Non, mais c'est parce que. Donc dites pas que ma voix à gosse, là, parce que plein de monde va dire, ah, il a dit ça dans la vidéo, ça va être drôle, je commence à dire, non, c'est pas drôle. J'ai le problème tout de suite, c'est pas drôle. J'ai dit tout de suite, toi là, le gars qui voulait commenter, fuck you! Puis là, c'est sûr qu'il y en a qui vont le faire parce que j'ai dit que c'était pas drôle. Fait que finalement, je peux dire que c'est drôle, puis il y en a d'autres qui vont le faire. Fait que c'est juste un cercle, genre vicieux. Ouais, là, c'est sûr que. Quelqu'un va me plaindre, va marquer ça. D'après moi, tu vas avoir les deux. Mais tu vas avoir du monde qui vont dire, ah, oh, c'est pas drôle que je te dis, puis il y en a qui vont dire, t'as ouais de la merde. tout ça pour dire que. Genre, Christian, il nous a dit que. Christian, c'est évidemment un gars qui nous écoute. Il nous a dit que genre il trouvait ça cool, trouvait que le show était cool, puis qu'on avait une belle énergie puis tout. Mais il aurait aimé ça que. Enfin, je crois que. Il aurait aimé ça qu'il y ait une facecam au début puis à la fin. Fait que là, on en met à Star, sauf dans cet épisode-là, parce que l'IREP, il est fucking habillé mal, puis il y a des shorts. Puis moi, ça me gosse des shorts. Ça, c'est le problème. C'est le deuxième objet le plus haut dans la chaîne des objets qui me gossent après un parapluie. Mais pourquoi ça te gosse? C'est laid des shorts, c'est tellement à l'aise en shorts. Ok, mais mettons, là, pense à ça, là. En fait, je vais juste raconter une histoire. Quand j'étais avec Joanie, mon ex. On est venu pour visiter l'appart où ce qu'on est en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Je vais raconter une calice d'histoire. Quand j'étais avec Joanie, on est venu visiter l'appart ici, mais genre avant d'y aller, elle a comme fait, on peut-tu aller à mon ancien appart? Genre, j'aimerais ça me changer. Je dis pourquoi? Elle dit, ben, je suis en short, je suis mal à l'aise. Elle voulait pas, genre, aller voir le propriétaire du logement en short, genre. Je comprends pas ce qu'il y a de mal à l'aise dans des shorts. Ça sort. Ben, c'est pas que ça sort tant, mais c'est genre tellement informel. Genre, je veux dire. Quand t'as pas d'historique de crédit. Hey, fuck ce saut-là, man! Il se fait juste pas! Sacrament! Continue, Jacob, quand t'as pas d'historique de crédit. Quand t'as pas d'historique de crédit, tu te mets au moins des pantalons. Cet argument-là, hein! Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Mais comme on va revenir au point principal, là, laissez des commentaires en bas. T'as de l'air pauvre, quand tu. Hey, fuck! Hey, mange ta randonnée de camembert, ferme ta gueule avec tes shorts. Quand t'as des shorts, c'est comme la moitié des pantalons. Fait que t'as de l'air pauvre parce que ça coûte moins cher. Genre. Ça marche pas de merde! Pas comme que t'as fait. Ok, la compagnie de linge fait pas. Ok! Je vais prendre des jeans, je vais couper le bas pis je vais le vendre ça moins cher parce que t'as la moitié d'une paire de culottes. Non, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont mettre un esti logo dessus et ils vont charger 20$ de plus. C'est ça qui va se passer. C'est quoi ce truc là, man? Hey, c'est un esti. Ah, fuck it! Mais la prochaine fois sur Aster, on reçoit. On joue encore à ça, ce jeu-là. On joue encore à ça, mais c'était style. On va finir par le passer, fait que ciao, Paul, bye. Bye. Hey man, on a tellement dit de la merde.